Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens surtout pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire pour une grande première sur ma chaîne un crash test. Ok, donc on va faire un crash test. Donc j'ai déjà ouvert. Donc du plastique magique, ça s'appelle. Voilà. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas encore essayé. Donc ça s'appelle du plastique magique. Mais normalement, dans les commerces, on dit du plastique dingue. Alors, vous voulez savoir comment on fait? Suivez-moi, c'est parti. Ok, donc, je vais déjà prendre la petite feuille, comme ceci. Donc là, j'ai juste découpé pour voir comment ça faisait. Pour voir si c'est facile ou pas. Et là, j'ai encore une autre feuille. Donc, il y a deux feuilles plastiques. Des dessins et voilà. Et donc là il y a les feuilles pour savoir ce qu'on peut dessiner, hein. Plein de choses comme ça. Ok, donc moi je vais faire un dessin à la main. Hop. Bon, allez, c'est parti. Ok, donc je vais mettre ma GoPro, je sais pas si vous voyez. Voilà, mais je vais mettre ma GoPro. Je vais la prendre comme ça et je vais la poser sans doute là, ici, sur mon bureau. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, ma qualité. La qualité de la GoPro est dégueulasse. Hein. Ok. On commence. Donc, faut dessiner sur le truc un peu bizarre. Allez, c'est parti. Mais il faut écrire une couleur. Voilà. Sachez que je dessine très très mal. Hein. Donc, c'est parti.
Voilà, j'ai fait mes trois petites boules de glace. Donc j'ai fait citron, chocolat et fraise. Ensuite, je vais faire ben, le cône. Allez, c'est parti. Je vais pas... Non, pas du tout. Prendre du beige. Je sais pas si vous voyez bien, mais à la fin de la vidéo, je vous ferai un gros plan. Voilà, j'ai fait la petite glace. Je vais un peu plus te repasser. Voilà. Et maintenant, maintenant, je vais prendre un crayon noir et je vais faire le contour. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait ma petite glace. Maintenant, il reste juste à faire des petits vermicelles comme ça. Je vais prendre du rouge, de l'orange, du bleu et du vert. Et voilà, ma glace est terminée. Voilà. Il ne reste plus qu'à découper. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait ma petite glace. Donc découpée et tout. Voilà. Avec les petits vermicelles. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus.
En fait, pendant que vous étiez en train de visionner la vidéo quand j'ai dessiné la glace, avec le montage, j'ai pu en faire d'autres déjà cuits. Donc vous verrez qu'on peut en faire des boucles d'oreilles, des porte-clés, des colliers, des n'importe quoi, des n'importe quoi. Bon, allez, vous voulez voir? C'est moi, c'est parti. Donc je les ai mis dans la petite boîte pour éviter qu'ils se cassent. Hein. Donc ça c'était la boîte, souvenez-vous, en rouleau de papier toilette que j'avais fait dans ma précédente vidéo. Voilà. Donc, hop. Donc j'en ai fait trois. Hein. Parce que, voilà. Donc là j'ai fait une petite plume. Voilà. Ça c'est juste pour poser, voilà. Hein. Et là, j'ai fait un porte-clés en cheval. Donc là, ça rend pas très bien, c'est pas très joli. Voilà, un petit porte-clés en cheval. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des chevaux et je suis une grande passionnée de l'équitation. Voilà. Et le dernier, c'est un petit peu petit. C'est un diamant, voilà, avec une ficelle. Voilà. Donc la glace, pour information, je n'ai pas pu la cuire, mais dans une prochaine vidéo, je vous promets. Ok, pas grave. Non, en fait, c'est juste une fille qui a voulu s'asseoir à côté de moi. Et du coup, elle a poussé mon appareil photo. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, comme je disais, je vais le cuire dans une. Au pire, je la garderai. Et dès que je fais une prochaine vidéo, donc j'ai plein de projets et tout, hein, de vidéos, et je la cuirai. Voilà. Pour vous montrer. Donc là, je vais en faire. Je pense. Je sais pas trop si je vais en faire un porte-clés. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais en faire juste un petit truc pour accrocher comme ça. Voilà. Je suis trop contente, mais bon, comme je vous avais dit, je dessine pas bien.